retour pour la troisième semaine des vlogs de mai, troisième semaine de mes vlogs d'anniversaire. On est lundi 17 mai. Bon, la semaine dernière, ça a été une catastrophe. Je me sentais pas bien. J'ai été malade un petit peu à la fin de la semaine. J'étais pas très motivée. J'étais assez fatiguée. Je sais pas trop pourquoi, je vous avoue. Mais bon, bref, j'étais KO. À la fin de la semaine, j'avais complètement arrêté de faire du sport tellement j'étais malade. Enfin, tellement je me sentais mal. J'avais les prises, j'étais enrhumée, je dormais mal et tout. Enfin, bref, c'était horrible. Donc, c'était pas ouf la semaine dernière, le mood là. Mais on est reparti pour une nouvelle semaine. Là, je me sens bien. Je me sens plus malade. Je me sens beaucoup mieux. J'ai fait du sport ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est la première fois que je vlog avec un trépied. Et d'habitude, j'ai l'impression que je tremble tout le temps quand je vlog avec ça. Donc j'espère que ça va pas être le cas parce que je peux me vlogger avec ça. Je trouve ça beaucoup plus facile. Programme de la semaine. Aujourd'hui, j'ai cours à la maison. Demain, j'ai cours à l'école. Ok, il y a la réouverture du monde mercredi le 19. Je sais que jeudi, j'ai une copine qui a réservé un resto le soir pour qu'on aille boire des verres. J'espère qu'il fera un peu beau quand même parce que ce serait dommage d'aller en terrasse, de retourner en terrasse et que ce soit sous la pluie. Cette semaine, il faut absolument que je filme une vidéo que j'ai travaillée, que j'ai enfin terminée. Une vidéo qui a été très dure à faire sur la confiance en soi, sur comment reprendre confiance en soi, etc. Ça a été assez dur à faire. Je pensais pas à ce point. Je savais pas quel format utiliser, je savais pas comment la travailler pour que ça corresponde à un maximum de personnes. Et du coup, voilà. Donc, comme je l'ai terminée après des mois dessus, il s'agirait de la filmer. Mais en tout cas voilà, cette semaine je suis remotivée au max. J'espère que la semaine va bien se passer. Je suis trop contente d'aller à l'école demain. Bon, c'est la fin de la journée. J'ai pas trop vlogué cet après-midi puisque j'ai travaillé. Enfin, j'avais cours. Là, je vais regarder une série. Je vais aller me coucher. Demain, j'ai cours à l'école. Du coup, il va falloir que je me réveille un peu plus tôt. Et du coup, je vais pas me coucher trop tard. Et voilà, donc je vous retrouve demain. Salut mes petits choux. On est mardi. Aujourd'hui j'ai cours à l'école. Donc je suis réveillée depuis 6h30 du matin. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche. Là je me suis habillée. Là je vais boire un café puisque j'ai besoin d'un café. Bon mes petits choux, j'ai fini ma journée de cours. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute la pluie. J'étais trempée. Donc là je me suis mis en pyjama. Je me suis préparée à un goûter parce que j'avais trop faim. Évidemment, là, il fait super beau. Franchement, le temps en ce moment, je peux plus. Je vais goûter devant la Villa des Cœurs Brisés. Après, je vais travailler un peu. Et puis, voilà. Je vous reprends quand je fais un truc un peu plus intéressant. Mais là, je fais ma pause parce que je suis KO. Salut mes petits choux. On est mercredi. Aujourd'hui, j'ai cours de chez moi. Ce matin, j'ai un examen blanc. Cet après-midi, j'ai cours. Là, j'attends que la prof, elle arrive pour nous donner notre examen blanc à faire. Je suis un peu fatiguée. J'ai très très mal dormi cette nuit. Là, je vais filmer une vidéo. J'ai envie d'essayer mon petit micro. Ma soeur, elle m'a offert, vous voyez, un petit micro comme ça. Et en fait, le bout et comme ça, et il se branche sur l'iPhone, comme ça je peux filmer mes vidéos et le son est mieux. Et je l'ai jamais essayé, je vous avoue, parce que je trouve que le son de l'iPhone est déjà très bien. Et du coup, je pense que pour tourner ma vidéo, je vais l'essayer, mais bon, je trouve que ça fait too much de l'avoir là. Genre, je me dis sur la vidéo, je sais pas. Bref, je vais essayer de toute façon, je vais voir ce que ça donne. Donc, je m'apprête à tourner une vidéo de développement personnel. Après, je dois aller faire des courses, mais là, j'ai l'impression qu'il va avoir une averse de malade. De toute façon, c'est pas tout de suite que je vais y aller, mais d'ici une petite heure, il faudrait que j'aille faire des courses. Et du coup, j'espère qu'il va faire beau. Bon, j'ai tourné ma vidéo de développement personnel, j'espère qu'elle va rendre bien. Purée, ça fait longtemps que j'avais pas filmé, je suis contente d'avoir tourné. Là, il fait moyen beau, il y a des gros nuages, sauf qu'il faut vraiment que j'aille faire des courses, donc j'aimerais bien qu'il fasse plus beau, parce que si je me prends là, hier je me suis pris la flotte, pas deux fois. Donc je sais pas si j'attends un peu ou si je vais quand même. Petit chou, on est jeudi. Alors, hier soir, je devais aller faire mes courses, je n'y suis pas du tout allée. J'ai ma copine Thaïs qui m'a appelée quand j'allais partir et du coup, je suis passée la voir elle et en fait, je suis restée avec elle, donc je suis pas allée faire mes courses du tout. Mais c'est pas grave, je les ferai une autre fois. Programme d'aujourd'hui, là, je prends mon petit déj. Ensuite, je travaille toute la journée. Je vais travailler sur site, mais finalement, non. Donc, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc, je travaille et ce soir, je vais manger au resto. Donc, j'ai trop hâte. Du coup, je vous reprends soit à midi, quand j'ai le temps ou quoi que ce soit. Et
et je vous dis à tout à l'heure. Re mes petits choux, je vous fais un coucou vite fait. J'ai fini ma journée de travail, là je me suis préparée et tout. Je vais rejoindre mes copines pour aller manger au resto. Oh, j'ai trop hâte de manger au resto. Ça fait si longtemps, ça a réouvert hier, mais hier je suis pas allée. Et là ce soir on avait réservé une table au resto. J'y vais de ce pas, j'aime trop ma petite casquette. C'est la casquette que j'avais achetée sur Shein. Je la trouve trop belle. Du coup voilà, donc je vous retrouve sûrement soit plus tard dans la soirée, soit demain. Mais en tout cas, trop contente d'aller au resto. Bisous. Salut mes petits choux. On est vendredi, dernier jour de travail de la semaine. Hier, je suis partie manger au resto du coup avec mes copines. C'était trop bien. Après, on est allé faire une petite soirée et du coup, je suis rentrée un peu tard. Là, je suis un peu KO. Aujourd'hui, je travaille toujours. Je travaille de chez moi. Ce soir, c'est rangement de ma maison. Je dis ça, mais tous les jours. Mais... Et je vous jure que je le fais en plus, hein. Je range tous les jours. Mais ce soir, c'est vraiment gros rangement. Là, je suis en train de boire mon café pour me réveiller, puisque vraiment, je suis KO. J'ai très très mal dormi. En fait, j'avais trop froid cette nuit, c'était trop bizarre. Du coup, voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Je dois absolument monter ma vidéo ce week-end, comme ça je la sors la semaine prochaine, celle que j'ai tournée de développement personnel. Et il faut absolument que je monte ce vlog. Enfin voilà, en tout cas, je vous retrouve un peu plus tard. Petit chou, on est samedi. Alors hier j'ai pas du tout vlogué, j'ai fait que travailler. À la fin de la journée je suis allée chez mes parents et j'ai rien fait d'intéressant, donc hier j'ai rien vlogué du tout, je suis désolée pour ça. Aujourd'hui programme de la journée, déjà je me suis réveillée extrêmement tard, je déteste me réveiller tard. Comme j'étais fatiguée hier, je me suis dit je vais pas mettre de réveil. D'habitude quand je mets pas de réveil, je me réveille à 9h ou 9h30, du coup je me suis réveillée à 9h30 ce matin, je me suis rendormie et je me suis réveillée là il est midi et demi. Pas du tout habituée à dormir si tard, je voulais aller courir ou je voulais aller marcher, me promener ou quoi ce matin, je vais pas y aller du coup parce que déjà il pleut. Bon, du coup programme de la journée, là je fais mon sport, après il faudrait que j'aille faire des courses et après il faut absolument que je fasse du montage, j'ai ce vlog à monter, j'ai une autre vidéo à monter. Cette vidéo là je pense que je vais la sortir lundi à 19h30 comme j'ai fait la semaine dernière, genre c'était pas mal de la sortir à ce moment là. Enfin voilà, là je vais faire mon sport du coup, je vous dis à tout à l'heure et j'ai trop faim, j'ai envie de manger. Bon, je viens de finir ma séance de sport, je suis KO technique, je vais aller prendre une douche et j'espère qu'il fera pas moche quand je vais sortir de ma douche parce que j'ai vraiment aller faire quelques cours. Bon, en tout cas, ça m'a fait du bien de faire du sport. Là, je me sens bien, je me sens réveillée, donc je vais juste aller prendre une douche et commencer ma journée. J'ai mangé, je voulais aller faire des courses mais il pleut de ouf, depuis tout à l'heure il y a des averses et tout. Donc je vais pas y aller, de toute façon ce soir je vais chez mon chéri et normalement je passe tout le week-end chez lui. Donc je m'en fiche de faire des courses, je les ferai quand je rentrerai. Du coup là pour m'occuper je vais regarder ma série sur Netflix et après je pense que mon chéri va venir me chercher, enfin j'espère. Et du coup voilà, donc pour être totalement honnête je pense que je vais pas vlogger beaucoup plus longtemps. Donc je vais vous laisser là, je vais faire un max de montage, j'espère que le vlog de cette semaine sera intéressant. Je vous avoue que franchement j'ai rien fait cette semaine, j'ai rien fait, je pense qu'il va durer 5 minutes. Mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je sais pas si j'ai des trucs de prévu de ouf. Et la semaine d'après, c'est la semaine de mon anniversaire. Et du coup, je vais vlogger 5 semaines parce que je vais vlogger cette semaine, la semaine prochaine. Et je vais vlogger la semaine du 31 mai parce que le 31 c'est mon anniversaire. Et le samedi, je fais ma soirée. Donc je pense que je vais vlogger comme ça, voilà. Donc ça fera 5 vlogs. Au lieu de 4, je pensais qu'il y en aurait 4, je sais pas pourquoi. Et voilà, du coup je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si j'ai pas fait grand chose et qu'elle est hyper intéressante. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.